Depuis un moment, j'ai tellement de travail et du coup, je me suis laissée aller pendant plusieurs semaines. Donc, je vais vous montrer comment je suis passée de ça à ça. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un vlog de maintenance, voilà, de comment je reprends ma vie en main. Parce que oui, je vous assure que j'ai été tellement débordée de travail que même aller me coiffer, je n'ai pas pu. J'avais ma belle-sœur à la maison, du coup, je lui ai demandé de me faire quelques tresses parce que j'étais fatiguée de faire ma routine de cheveux tous les matins. À un moment, je voulais souffler. Vous ne savez pas comment ça fait du bien de faire des coiffures protectrices comme celle-ci. Tout ce matin, j'ai décidé de tout détacher vu que je devais sortir. J'avais pas envie de mettre spécialement la perruque parce qu'il fait vraiment chaud ces derniers temps. Si tu aimes ce genre de vidéo, surtout n'oublie pas de la liker et de t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Tu peux également me rajouter sur Instagram et sur Snapchat. Je suis très active de ce côté-là. Après avoir bien détaché mes cheveux, je vais venir les peigner pour bien les démêler. Je vais également rajouter mon huile d'olive, très important. Et je vais également rajouter mon leave-in pour pouvoir adoucir mes cheveux. Donc je vais faire comme d'habitude, vous savez, un chignon, voilà, plaqué. Et pas de gel, pas de cire, juste un chignon tout propre parce que je ne voulais pas quelque chose qui m'encombre également. Donc j'ai fait cette petite coiffure. Comme je vous ai dit, je sortais faire mes ongles. Et voilà, j'étais prête déjà pour la journée. Donc là, je m'en vais faire mes ongles. J'ai rendez-vous à 9h. Et j'espère être à l'heure, vu qu'il est déjà un peu tard. Donc là, je vais vous montrer la pose que je vais faire. Et vous allez me dire si vous aimez également en commentaire. Parce que je voulais trop faire cette pose-là. Il faut savoir que moi, j'ai jamais fait mes ongles chez gynéconeuse. J'étais juste venue faire mes lashes. Ma soeur fait sa pose là. Et du coup, j'ai également envoyé des gens chez lui. C'était ma première fois de faire cette pose. Et je trouve qu'il est plutôt très professionnel. Alors voilà le rendu. Vous me dites ce que vous en pensez. Là, nous sommes le lendemain, je suis allée chez ma coiffeuse. Je me suis rendu compte que ça faisait un drôle de moment que je ne m'étais pas coiffée. Je ne m'étais pas tressée, pardon. Donc du coup, je suis venue pour me tresser. J'ai décidé au départ de faire des butterfly. Je vais vous mettre la coiffure, vous allez voir. Mais sauf qu'elles m'ont dit que non, ça ne peut pas durer longtemps et qu'à la fin, les mèches qui débordent finissent par durcir. Du coup, elles m'ont convaincue comme d'habitude de faire la même coiffure que j'ai l'habitude de faire, les knotless braids, mais avec la couleur que j'avais envie de faire, les butterfly. Sauf que franchement, et en plus c'est le même prix, donc du coup je me suis dit bon, allons-y. Et à la fin, elles m'ont proposé de boucler mes cheveux, ce que je n'avais jamais fait. Donc ça fait presque 2 ans que je me tresse chez Flora. Donc pour ceux qui ne savent pas, elle s'appelle Flora Flow Braids sur Instagram. Elle est très sympathique aujourd'hui, elle est comme une amie. Donc c'est toujours un plaisir de me tresser avec elle parce que j'oublie avec le temps. Donc voilà, voilà le rendu. Donc j'attendais simplement qu'on chauffe de l'eau pour faire mes boucles. Comme je vous ai dit, j'avais jamais fait ça avant, des boucles là. Je n'avais jamais bouclé mes cheveux, je n'avais jamais bouclé mes tresses, mais je me suis dit pourquoi pas cette fois-ci. Donc là, la famille, je suis déjà rentrée. Je n'avais jamais fait les boucles comme ça. Avant ça, je trouvais ça un peu vieux, genre, mais maintenant, ça me change aussi. Donc je trouve que c'est plutôt bien. De temps en temps, je peux boucler ça comme ça. Donc ça sera skincare, ménage, rangement, c'est ce que je vais faire tout à l'heure. Donc là, il est déjà 14h30, je vais m'activer, manger d'abord avant. Ça sent comme ça, ça s'entremêle. Et après, voilà, je vais commencer à attaquer le reste de ma journée. Donc après avoir fait le ménage et avoir chauffé le repas de la journée parce que je n'ai pas cuisiné, il y avait des restes, je suis passée dans les chambres pour arranger tous les vêtements des enfants, ce qui n'était pas bien arrangé, voilà, pour bien arranger leur placard.
J'ai reçu ces derniers temps ma famille. Du coup, vu que les chambres étaient toutes occupées, c'était le moment de reprendre tous les draps pour les laver, pour nettoyer, voilà, essayer d'enlever la poussière partout. Et quand j'ai terminé avec la chambre des garçons, je suis passée à ma pile de vêtements qui m'attendait parce que oui, il fallait que je range mes vêtements. Tous ces temps-ci, vu que je n'ai pas assez de temps, je prends seulement et je m'habille. Et j'oublie de venir ranger après. Ça fait qu'à la fin, ça ressemble à une petite porcherie et tout. Donc la famille, je viens de terminer de faire le ménage, le rangement. Donc là, j'ai envie de faire juste mes soins du visage et... Je me suis douchée plus vite parce que ici c'est comme une menace de pleuvoir. Et j'ai un petit coup de fatigue aussi. Je voulais terminer ça rapidement pour que je puisse me reposer. Comme aujourd'hui j'ai eu une dure journée. Dehors il faisait super chaud. Donc là je suis en train de finir mon fromage que j'ai eu. Oups, j'ai voulu d'aime. Généralement vous savez que j'aime faire mes gommages maison, mais quand je suis fatiguée comme ça et que j'ai la flemme, ce gommage ça fait un bon moment déjà et je pourrais profiter pour finir ça. Je voulais pas jeter ça comme ça, mais là il faut déjà que je termine ça et puis je jette le contenant. Là encore il y a même un peu, mais non, ça suffit comme ça. Et simplement voilà. Donc là, je suis en train de nettoyer mon gommage. On nous a encore coupé de l'eau. C'est ça le Cameroun. Moi, je préfère qu'on me coupe l'eau que le courant. Ensuite, je vais mettre un masque que j'ai pas mis depuis. Donc, ça aussi. Donc, je suis en train de faire une sorte de recyclage de mes produits parce que quand tu en as trop aussi, à un moment, tu oublies que certains existent. Donc je vais mettre ce masque-ci. Donc ça c'est un masque de chez Sephora. Le gommage il était de chez Evolidem. Il a son gommage. J'ai un autre masque de chez Evolidem. Mais comme je vous ai dit, je veux vraiment que les produits finissent. Donc vous voyez quand j'appuie là, ça fait le petit pet comme ça. C'est juste parce que je veux me débarrasser. Donc ce masque-ci, c'est pour ça protéger contre la pollution, bref, pas mal de choses. Donc, et ça donne également, je vais lire ce que ça fait, mais au départ, je pensais que c'était pour la pollution. C'est bon comme ça. Je pense que le truc qui reste là, c'est pas grave si je jette. Parce que ça déjà fait ce temps. Donc, je pense que c'est bon là. Je vais jeter ça.
Ça fait un moment que je suis hyper bousculée, je vous promets. Je suis entre les commandes. J'ai même d'abord stoppé mon business de nourriture parce que je n'en pouvais plus. Je ne vous cache pas, ce n'est pas facile, rien n'est facile. Mais bon, j'avais besoin de me recentrer, de revoir mes stratégies, de revoir tout pour bien me relancer. Donc, ce n'est pas terminé. Mais aussi, il faut savoir qu'entre la création de contenu, gérer une page de bijoux, gérer les enfants, gérer les stocks, gérer la vie de famille, la vie de mère, ce n'est pas toujours facile. Et ça faisait un drôle de moment que je ne me suis pas maquillée, si vous avez constaté. Dans la plupart de mes vidéos, maintenant, je suis un peu sans make-up. Mais après, je réalise que bientôt, j'ai 30 ans et je veux me maquiller à quel âge? Ça, ce sont les bêtes problèmes que je ne veux pas avoir. Mais je vous promets, j'ai décidé de me maquiller pour aller acheter des courses pour les enfants. Oui, parce que oui, une belle femme, ça s'entretient. Et que oui, ça faisait longtemps, le maquillage m'a manqué. Seulement quand j'ai fait mes vidéos. Mais là, il faut que je sorte et que je sois glowing avec cette nouvelle coiffure, avec mes beaux ongles et tout. J'ai commencé avec ce lipstick marron, tout ça, nude. Mais je me suis rendu compte que c'était trop nude. Ça faisait trop, je sais pas comment expliquer ça. Comme si j'étais malade. Du coup, quand je suis allée mettre du parfum, j'ai décidé de changer le make-up. J'ai décidé de mettre un lipstick vraiment rouge, là, rouge passion. Voilà, ça fait la différence. Là, c'est vraiment clinquant. C'est... Tu me vois, je ne ressens pas la femme que vous avez vue tout à l'heure, même pas. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez ma coiffure, si vous aimez mes ongles, si le make-up vous a plu. J'ai fait un make-up vraiment soft, sans fond de teint, sans concealer, juste des poudres. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.